vais te montrer un truc cool. Tu vas sur le site d'Epic Games, tu te connectes à ton compte, tu vas dans mot de passe et sécurité, et tu actives l'authentification à deux facteurs. Et voilà, maintenant tu peux acheter n'importe quel item Rocket League sur Huawei.com. Je te mets le lien en description, et en plus, je te régale, tu as 6% de réduction avec le code SNIPE. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une nouvelle vidéo freestyle, les vidéos que vous adorez, vous me demandez régulièrement, c'est quand le nouveau concept freestyle, etc. Eh bien c'est aujourd'hui, mesdames, messieurs, si vous ne les avez pas déjà vus, je vous mets des fiches en haut, à droite, voilà. J'ai fait deux concepts là-dessus, deux épisodes de vidéo freestyle, dans laquelle j'amène des freestylers, et vous allez voir que ils vont devoir s'affronter entre eux pour savoir lequel va gagner la vidéo en termes de freestyle. D'habitude, j'invite des sets, j'invite Gaspo, j'invite Moxie, j'invite des gens qui sont pas forcément freestylers purs. Donc forcément il y a des déséquilibres. Aujourd'hui vous avez les 6 meilleurs freestylers français de Rocket League présents dans cette vidéo. Vous allez découvrir aujourd'hui, vous allez voir qu'ils sont extrêmement forts, hein. Vous allez voir c'est vraiment terrible comment ils sont forts. Le concept c'est quoi? Pour ceux qui découvrent complètement, de toute façon le concept est nouveau aujourd'hui, j'ai varié des autres versions. Ils démarrent tous avec 0 points, voilà, tout le monde a 0 points. Le but c'est de gagner des points, et la personne qui gagne la vidéo est la personne qui à la fin de la vidéo aura le plus de points. Assez logique jusqu'ici. J'ai une roue et... elle contient plein de moves freestyle. À chaque manche, je vais lancer la roue et le move qui va être indiqué par la roue, donc par exemple, je sais pas, triple flip reset, ils vont devoir tous le faire un par un, et s'ils les réussissent sans rebond, donc si la balle rentre directement dans les buts sans passer par un rebond, ils prennent 2 points. Si elle fait un rebond ou plus, ils prennent 1 point. Et s'ils ratent le move, ils prennent 0 points, voilà. Évidemment, à chaque fois que la roue tombe sur un move, je le retire de la roue pour les manches d'après, pour pas retomber sur le même, pour que la vidéo, c'est juste pour savoir dans quel ordre les moves vont se faire. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner tout de suite, les potes, voilà. Pensez-y tout de suite, la petite pause, petit like, petit abonnement, ça me fait très plaisir. La vidéo va être assez longue, je sais que vous adorez ça, les vidéos freestyle qui durent longtemps, ça vous régalez, vous mettez une petite demi-heure dans votre lit, vous kiffez bien. Vous allez voir que leur level est incroyable, j'en dis pas plus. Je vous laisse avec la vidéo, les frérots, c'est parti. Donc c'est bon, mesdames, messieurs, nous sommes avec tous les grands freestylers français qui sont dans le channel et dans la Game Rocket League. Nous sommes avec Neves, San, Poyos, Flids, Reshiram et Gaplet. Bonjour, messieurs, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, évidemment. Oui, bien sûr. Là, ça va jouer, là, parce que là, d'habitude, sur les vidéos, sur les concepts, j'invite d'autres gens, il y a un Gérald Gaplet et Flids qui sont au-dessus. Là, nous sommes dans le très, très, très haut niveau du freestyle français. Donc, des nouvelles personnes que vous avez probablement découvert dans cette vidéo qui sont très, très forts. J'avais vu le tournoi Kaspar Asmeltor et tout, vous avez vu un petit peu, j'étais en mode ouf, il y a des mecs très très chauds. On va lancer une roue, on va voir un petit peu sur quel move on va tomber, et vous allez tous devoir réussir le même move. Je rappelle les règles: sans rebond c'est 2 points, avec un rebond c'est 1 point, et si vous ne réussissez pas le move c'est 0 point. Et il y a des petites manches bonus qu'il va y avoir, ou dans laquelle il y a une seule personne qui va prendre des points, et sur le round avec le psycho, chaque fois que vous mettrez le but, vous prendrez 5 points, et avec un boons vous en prendrez 3. Est-ce que tout le monde est prêt? Okay. Oui. Pour la première manche, je lance la roue pour savoir quel va être le move de la manche et le move, et donc Selling Musty double tap. Attention, assez simple pour vous. Je pense que pour vous, c'est l'un des moves les moins durs de la roue. Donc Selling Musty double tap, on va prendre dans l'ordre. Du coup, Sam, tu vas commencer. On est parti. Okay, je rappelle du coup un Selling Musty double tap. On te regarde. Ok, okay, solide, il prend un 2 points, il prend un 2 points, il se met très très bien. A toi du coup, Nevest, c'est à ton tour. Oh, la Dominus que t'as, mec. Propre. Ah non, le trolling. Ah oui. T'aurais pu quand même choper un point en la prenant quand même, je pense. Ouais, t'aurais pu quand même la marquer, c'est dégueulasse. Mais bon. Ok, Nevest, 0 points à toi, Poyos. Vas-y. En gros, si c'est moche et tout, tu prends un point, mais c'est déjà un point, quoi. C'est histoire de réussir le move, quoi, sur le papier. T'es bien parti, la Poyos. Oula. Et waouh. C'est bon. Ouh, le 2 points. Non, le mini bounce. Ouais, non, non, il est pas, il est pas. Je crois que c'est une bounce. Là, c'est... ouais, no bounce. Ah ouais. Non, ouais, non, non. Bah ouais, juste mon écran, ça va. J'ai été le chercher loin, là. Non, c'est bon, c'est 2 points. Oh putain, c'était close. Ok, Fizz. Mais tu pars d'où encore? Ouais, je pense que je vais faire la même. Il part de l'opposé, frère. Faut être confiant sur ces moustis, là. Engle. Ouf. Dommage. Aïe aïe aïe, dommage. 0 point pour Flids. Gapled. Oui. Ok, il est propre. Il prend un 2 points, Gapled. Gapled solide, hein. Toujours solide dans les vidéos, hein. Ça bouge pas. Après, t'as un avantage, tu commences à être habitué à être en vidéo, toi. Je sais pas. Ah, si, tu commences à avoir l'habitude, fais pas genre. Je suis habitué à me prendre des grandes pinches, ça, oui. Ça, c'est vrai. Mais tu vas en avoir aujourd'hui, t'inquiète. C'est un truc. T'en avais mis un bon, là. En fait, t'avais mis un 160 dans la vidéo. Ouais, bah j'avais quand même perdu 2 vies avec les Grand Pinch, quoi.
Oh waouh. C'est pas grave, tu prends peut-être un point. Un point quand même. Il prend un point. Oh là là, c'est horrible. Ok les amis, du coup, premier round. Comme quoi, franchement, le move était pas des plus durs de la vidéo. Et il y en a quand même deux qui ont réussi à ne pas la réussir. Donc San 2 points, Neves 0 points, Poyos 2 points, Flit 0 points, Gaplet 2 et Reshiram 1. Et c'est parti. Quel va être le move? Déjà si tôt, le psycho. Oh psycho. Okay. Alors du coup, je rappelle, attends, pour commencer à partir. Ouais. Je rappelle du coup, si vous le rentrez avec un bounce ou plus, c'est 3 points. Si vous le mettez sans bounce, c'est 5 points. 5 points, je pense que tu gagnes la vidéo, hein, vu l'avance que ça te fait prendre. Déjà 3, c'est énorme. On peut le faire comme on veut, le psycho, du coup. Non, ouais. C'est pas tant pour moi. Tellement close. Je rappelle que le psycho est le move le plus dur de la vidéo, je pense. Enfin, je suis au-dessus de 3 bounces, par contre, on ne prend pas. Si ça roule, mec. Oui, après, ouais. Voilà, il y a une limite, mais on jugera nous-mêmes. Tant qu'il n'est pas, il est pas immonde, ça passe. Oui. Dommage. Vous êtes close, faire comme on veut du coup ou pas, j'ai pas entendu. Oui, oh, ouais. Après, je vois pas non plus 46 manières de le faire, mais enfin, les deux premiers l'ont fait à peu près de la même manière donc. Tu peux le faire en poste, tu peux le faire en. Oui, mais le but c'est le résultat qui. Enfin, à la fin, c'est que tu fasses un musty et que tu. Oui, voilà, après tu démarres comme tu veux, on s'en fout. Oh, ça pue ça. Ouais, c'est de la merde. Ah, dommage. Dommage, Flitz à toi. En vrai, je sais pas si un de vous va réussir, parce qu'il est vraiment chaud. Ah, c'est random un peu. Ça, c'est sûr. En fait, c'est pas impossible non plus. Hein? Vas-y, refais. Non, c'est pas grave, tu peux. Vas-y, refais. C'est bon, si t'as même pas démarré le move, on s'en fout. Ah, bah, je bégaye. Ah oui, tu. T'as des petits soucis là pour. Vas-y, dernière fois que je te l'offre, mais dernière. Hein. On arrive pas à Turtle, on va le faire normal. Hein. Là, tu le rentres, mec, c'est terrible. Oh, wow. Mais d'accord, ma voiture elle est partie en cacahuète. Ah, c'est bon, elle est cadrée. Nickel. Elle est dedans. C'est 3 points pour toi. Ah, mais non, mais y'a plus de touch. Non. Oh. Mais oui. Non, mais. Oh la naïveté. Oh la naïveté. Naïf. Il reste Gaplet et Reshiram. En vrai, peut-être que si vous le mettez pas, je le garderai pour un. On le garde pour un prochain round. On le remettra sur. Ouais, on le remettra quand on serait bien chaud à la fin de la vidéo. On va tenter, je pense qu'il y en a quand même un qui va le mettre au bout d'un moment quand même. Ouais. Oh, la partie là. Ça part bien. Oh, dommage. Elle rentre. On est pas très loin en plus, hein. Ah, ouais. Okay. No bounce. Attends, Hacham. Il a une pression, mon gars. S'il le met, il vous fume, hein. Oh non. Oh, elle était dommage. Franchement, c'était dommage. Bounce. Bon, personne l'a mis, malheureusement. Bon, on va croire que les gens que j'ai invités ne sont pas à la hauteur de mes défis. Non, en vrai, le move est très très chaud. Je le garde pour un prochain round. Donc, on le refera plus tard. Ok, je lance la roue. Du coup, personne n'a pris de points. Et là, c'est avec direct. Non, mais je le cancel. Ah bah tiens, parfait. Oh, j'adore ça. Donc là, on est sur un round un peu spécial. On est sur le musty le plus rapide. Ça veut dire quoi? Vous allez chacun faire un musty, alors de la manière que vous voulez, soit au sol, soit en l'air. Comme vous voulez, le but, c'est qu'on ait un musty à la fin. Celui qui marque le but le plus rapide avec un musty remporte 3 points à la fin du round. Donc le premier, celui qui fait le frappe le plus rapide, prend une petite avance sympa. Donc San, tu démarres. Bah, let's go. Vous y prenez comme vous voulez. Le but, c'est qu'on ait un petit musty en finisher, quoi. Okay. Oh, il est pas dégueu, je pense que. Ouais, je pense c'est sur un 100, 110. 108. 105. Ah, ouais. Ok, 105 à battre pour l'instant. Oh, oui, franchement, c'est pas dégueu, je pense que tu te mets pas non plus. Je suis pas non plus mal, mais pas non plus bien. Bah, je pense que c'est la meilleure strat, hein. Ouais. Je pense pas. Pour te mettre le plus proche des cages. Ouais, voilà. Je pense pas. Ouais, non. Tu sais comment marche le musty, c'est pas la meilleure strat. Ah, je pense que t'es sur du 97 km/h, tu vois, un truc comme ça. Ouais, ok, bon, dommage. Pour l'instant, San, toujours premier. Moi, je tente qui tout double. Hein. Allez. C'est quoi le qui tout double? Bah, si le musty part, c'est bien plus rapide que 105, je pense. Hein. Le musty, plus la balle, elle est rapide avant que tu fasses le musty, plus elle va partir vite. Donc, si tu vas en top du middle, la balle, elle a aucun speed et ton musty va partir lentement. Ouais, j'ai fail. Ah, dommage. Dommage. Dommage, je pense que tu vas le record, là. Ok. Dommage. Ah bah non, on va faire la règle, celui qui devine. Non. C'était tellement le seul, putain. C'est drôle quand même. Puis si t'as 0 points, tu peux te mettre bien là, si tu passes à. Yes, sir.
plutôt bien parti. Oh oui, oh, oui. Oh la barre. Oh non, mais non, monsieur, mais non, oh la grosse barre. Là, honnêtement, je pense qu'elle était à genre 110-115, je pense. Facile. Ouais, elle était à 100, là, je pense. Premier facile. Bien après, j'hésite du coup. C'est ça qui est chiant, Gapel. La grosse barre, comme on l'attendait. C'est la meilleure technique. Hein. Oui, non, c'est clairement la meilleure technique, mais à côté, je me dis que ce que San il a fait, c'était pas très rapide. Donc. Oui, c'est vrai qu'il y a juste 105, quoi. Vraiment grave moyen de le battre, en fait. Mais en fait, au lieu, faut pas long shot, genre faut vraiment tirer devant le but, quoi. Mais c'est vrai que j'ai tiré. C'est ça le plus dur, en fait. C'est de s'approcher du but parce que c'est pas ce qu'on veut. Oh non, il y a un crossbar encore. Un plaisir. Ah, ça fait des ravages. Bon, en fait, je pense que c'est évidemment mieux de tirer près des buts, mieux c'est parce que t'as moins de chance de mettre une crossbar et en plus, elle a moins le temps de ralentir. Donc, forcément. Ouais, du coup, tu prends plus de risques au niveau du hard rip, quoi. Mais... En fait, ouais. Le mieux, c'est vraiment de faire ça, genre post reset et d'arriver le plus proche possible. Moi, j'étais pas très loin en vrai, j'ai juste pas eu de chance. Quoi. Attention, va-t-il battre? Oh voilà. Qui gagne avec oh, la crossbar, elle vous a anéanti, hein. Voilà. San, ah, il prend plus 3. Il prend plus 3, donc il passe à 5 déjà, San. Ah ouais. C'est tellement du vol. San se met très très bien sur ça. Et je vais pouvoir relancer la roue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons triple flip reset. Plutôt simple. Okay. Pour vous. Enfin, je dis plutôt simple, en mode... je parle par rapport à vous, hein. Par rapport au move qu'il y a dans la vidéo. Je pense que quand vous maîtrisez... Alors, c'est pas précisé, no stall ou egg stall, vous faites ce que vous voulez. Ouais, j'allais le dire. Ce que je peux proposer, je viens d'avoir l'idée à l'instant, vous me dites si on le prend ou pas. Ce que je proposais, c'est qu'on garde le no boons 2 points avec boons 1 point. Mais si vous le faites no stall, vous prenez 3 points. Ouh. En vrai, oui, parce que c'est assez rigolo. Ouais. Ça vous va ou pas? Après, quoique, parce que Reshiram, c'est un joueur con, enfin, donc... Ah oui, c'est vrai, Richard, c'est trop perso. Après, voilà, 3 points, alors pareil, 3 points no boons, mais si vous mettez avec un boons en hostel, c'est 2 points du coup. Ah ouais, moi je suis chaud alors. Ok, allez, on fait cette règle là. On fait cette règle là, c'est parti. Ouais, c'est 3 points. Ah, t'as de l'avance. Et du coup, si on mélange toll et no stall, ça marche pas? Ah, s'il te plaît! Oh, dommage. En vrai, tant mieux, comme ça tu prends pas trop d'avance. Enfin, pour moi, ça m'arrange. Ouais, ouais. Moi, c'est qui tout double, je pense que je vais sûrement faire ce que je vais tenter. Mais... Il va faire un psycho. Ah, il va faire des hélicoptères. Il va faire des hélices. Ah, bah oui, voilà. L'hélicoptère. L'hélicoptère. Ouais, bah oui, il est trop. Ah, t'as pas le reset là. Ah, ça, c'est lui. Là. Donc là, on est sur un stall, on est d'accord. Hein. Ouais. Oui, oui. Donc 2 points du coup. Ouais, clairement, je dis mensonge, hein. Je sais pas comment je l'ai. Ah, non, là, non, la barre est formelle, y'a pas de reset là. Donc 2 points pour Neves. Ceci, il est chaud à ça. Ouais, il fait ça tout le temps. Si je fail pas le premier, normalement c'est open, non mais... Oui, c'est le premier qui est chiant. Comment tu l'as? Oh non. Ouais, je peux pas. Ouais, il a fait un mélange des deux. En mettre. Dommage. Bien entendu, en vrai, c'était. Alors, le mélange des deux, je sais pas combien ça valait de points, mais mieux vaut comme ça, tu l'as pas mis, ouais. On va pas se poser la question. Moi, j'ai juste à faire un mec. Les deux. Mathieu, c'est Nostal, donc. Fizz est en mode choc aujourd'hui. Comment ça? J'ai pas eu de chance avant. Attends, Gapel. Nostal ou pas, Gapel là? Non. Il a envie d'assurer. Oula. Ouf. Ouh, le tryhard. Oh, attends. Non. Non, vas-y, j'arrête. Aïe, aïe. Reshiram, du coup. Il va prendre ses 3 points. Allez, tenter des no-stall. Non, avec le stress, là, ça va être compliqué. Hein. No stress. Il y a aucune pression, là. Oh non, là, je suis obligé. Ok, propre. 2 points, du coup. Donc là, je fais le petit point sur les scores. San, 5 points. Nevest, 2 points. Poyos, 2 points. Flitz 0 points, Gapled 2 points, Reshiram 2 points. Donc okay. Tout encore jouable, y'a pas de problème. Je veux pas à 3 points de base. Ah non, si, pardon. Bah oui, il y a 3 points, oui. Mais bah oui, justement, ça vaut 2 points, ça c'est no bounce. Ouais, j'ai rien dit, my bad. Ok, c'est parti. Hop. Et on tombe sur le double musty. Double musty, c'est parti. Waouh. C'est bon, tu peux. Do it. Ah, Chanceler. Un point, il y a un bout. Oh, tu l'as réussi, ça prend un point quand même. Ça prend un point. Je suis pas vraiment un musty, mais. Ah, j'aurais. Tu passes à 6 points du coup. Ouais, il est moche, mais il compte. Oh là. C'est facile pour vous, ça ou pas? Double musty, c'est un truc que c'est facile? Oui, non. C'est relativement simple. Ok. Il y a tout le monde qui le fait en reset. Oui, toi, tu vas le faire du vol, mais. Ah, je suis pas musty. Aïe, dommage. J'ai un moustique. Pas de points de plus pour Nevest. Ah, Poyo, c'est free là. Poyo. Bah yes. What?
Ah, on a aujourd'hui. J'ai glissé sur mon joystick. Je vous ai pas pris au meilleur de votre forme là, j'ai l'impression aujourd'hui. C'est. Non, non, mais j'ai side flick, je sais pas pourquoi. C'est l'échauffement, c'est ah, mais il est encore flex lui. Non. Ah, si, pesable, si. Pesable. Ah, non, mais je peux pas. Aïe, 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 Flitz qui ne veut pas prendre de points dans sa vidéo. C'est vraiment le défi. Pile toujours à 0 points. Gablet à toi. Ça sent bon ça. Non. C'est trop, sérieusement. Ils m'ont dit c'est facile, hein, ils m'ont dit. Mais oui, le pire c'est que c'est vrai, genre. Aïe, aïe, aïe. C'est l'effet vidéo. Mais de Pentam aussi tous les jours, genre. L'effet vidéo, ouais, non, il fait des ravages. Non, mais... Bah surtout que l'effet qu'on a un essai, en fait. Non. Et c'est ça, en fait, surtout. Ça nous arrive. Surtout que le fait qu'on joue pas, en fait. Oh, elle est propre. Oh. Il y a 2 mètres d'écart, mais il est beau quand même. Donc, tout le truc compliqué, c'est le fait d'attendre, de regarder quelqu'un jouer, puis après c'est ton tour, t'as qu'un essai. C'est ça qui est vraiment dur. Moi, c'est le silence qui m'a mis la pression là. En fait. Ouais. Le silence, il m'a mis une pression, mon ref. Reshiram, tu prends 2 points. Tu passes à 5 points. Donc là, on a Hassan avec 6 points. Ensuite, on a Reshiram avec 5 points. Neves, Pelios et Galplot, vous êtes à 2 points. Et Flitz à 0 points. Je lance la roue pour le prochain round. Il reste plus beaucoup de moves. Sailing, triple tap. Ouais, tiens, c'est un sailing, mais c'est Magborn. Ouais. Ouais, voilà. Oui, c'est bon. Oh, ouais, je suis pas le reset. Mais tu peux... Triple tap, quand même. Il y a un petit boost. Ouais, mais il prend des points. Hein. Au moins, il reprend un point de plus. Il est à 7 points, du coup. Hein. L'avantage... C'est mieux que 0. En attendant, dans pas longtemps, on le rattrape pas, hein, je vous le dis. C'est vrai. Bah, après, si vous mettez 2 points à chaque fois, c'est large faisable. Il y a de quoi, mais c'est pas assez. Ok. Oh non, dommage. Oh dommage. Il était close, dommage. Allez Poyos, c'est ton heure là, je te sens bouillant pour ce round là. Non. C'est vraiment le round, je suis le moins chaud possible. Oui, c'est bon. Oh non, il est down. Oh, j'ai tellement fait scale là. Mais non, oh, pas moi. Dommage. Comment ça la down là? J'sais allez, Fitz! Va-t-il prendre son premier point? Allez, on y croit! Ah, la synchro. Allô? Wouah! Ok, il en prend 2 en plus. Attends, Putain, c'était mal barré, hein? J'en ai vu des moves mal barrés, mais alors il était vraiment mal barré, hein? Mais bien joué, très très fort. Ok, Graplet à toi. You got this. Ah, il était pas facile. Oui. Oh, solide. 4 points maintenant pour Graplet. Reshiram, si tu mets un 2 points sur ça, tu rattrapes San. Oh, on va essayer. Hein. Tu passes à 7. Et après, je pense qu'on fera la manche spéciale. Oh non, oh aïe, 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 dommage. Dommage, ok. Bon, je lance pas la roue parce que je pense que c'est le meilleur moment pour le faire. On va se faire la manche spéciale. Et celle-là, je pense qu'elle va être bien sympa. Oh. Ça va bien tryhard. On va faire le move qui est encore en violet sur la roue, là. Le ground pinch le plus rapide. Donc c'est comme le musty. Sauf que la personne parmi vous qui met le musty le plus rapide récupère 3 points. Oh, pitié. Je suis le plus nul en ground pinch ici, hein, vraiment. Le meilleur, c'est Poyo. Ouais. Ouais, mais attends, gros, mets pas la pression. Je suis à 2 cm d'écart, sinon ça part ailleurs. Ouais, t'as le droit, hein. Tu peux, s'en fout, hein. C'est la vitesse qui a écrit. Oh, mais on voit des chics. Oh là là là. 57. Oh là là. Les difficile à battre, hein. Ah, mais il est à 7 points et en plus il va peut-être gagner ça. Si tu gagnes ça, c'est terminé, hein. Y a plus aucun suspense. Hein. Oh là, j'ai prié pour que tu l'arrêtes en plus. Oh là là. Je suis le pire joueur en one pin, vraiment. Mais pareil. C'est là qu'il le met à 70. Oh ah, dommage. Poyos, c'est ton tour. Poyos qui est un très gros ground pincher. Évidemment. De fou, mec. Mais ça fait 6 mois, je fais que ça. J'appelle la crossbar. C'est fail, là. C'est juste putain, ça me soulage. Allez, Fizz, c'est ton moment. Non. Non, vous faites pas 2 mètres des caches comme il a fait, c'est peut-être mieux, non? Parce qu'on va parce que je sais pas le faire. D'accord. Elle était presque bien. Ah, j'ai l'impression que ça va être compliqué là. Agapled. En vrai, c'est lequel parmi vous qui maîtrise le mieux le Gwynpin, je vous pensais? Poyos. Ah merde.
Ouais, bon, j'ai même pas eu d'occasion. Dans le freestyle, ça n'existe pas, les grandes pinches, à part les grandes pinches redirect, mais... Oui. Dommage. On fait pas de grandes pinches pour marquer, quoi. Sinon, c'est nul contre un mec que argent, bon, pas très impressionnant, quoi. Mais Shiram, c'était le dernier espoir, là. Oh, bah, c'est impossible à battre, là. Je suis le dernier espoir. Juste qu'un homme team psycho, quoi. C'est vrai. Il y en a moins, c'est en plus, donc bon. C'est vrai, c'est impossible. Oh, dommage. Ok, ouais, dommage. Moi, 100, je dirais 128. 121. Oh, ah ouais, ouais. Dommage. Eh ben il est propre, mais c'est San qui prend les 3 points. Putain, mais il est chaud, hein. Il a pas raté un move depuis le début. Hein. Il est focus il comme est jamais. On fire. Okay. San, tu as 10 points. Nevest, 2 points. Poyos, 2 points. Flitz, 2 points. Gapled, 4 points. Et Reshiram, 5 points. On est parti. Je relance la roue. Ok, Muri Reset, c'est bon. Wow. Oh, c'est problématique. Allez, allez, à partir de maintenant, à partir de maintenant, pour favoriser le rattrapage, à partir de maintenant. Ok, no boons, 3 points avec un boons, 2 points. À partir de maintenant. À part pour San. San, tu c'est encore 2 points. San, c'est encore 2 points et 1. San, il avait un peu mis un Muri Reset into Musty Sidewall en game, quoi. Donc bon. Allez, c'est parti. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est trop facile, mes frères, c'est trop... Aïe, 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 2 points pour lui, du coup, il passe à 12. Non, il est une constance, mec, c'est terrible. Il est parfait, en plus, genre, vraiment, il est nickel. Ok, bah... 12 points, du coup. Putain, San, j'ai l'impression que c'est du smurfing. Bah, les gars, ce sera pas dans la fois où je vous inviterai, vous aurez de quoi vous rattraper. En fait, c'est pas moi qui joue. Oh, propre. Oh non, tu pouvais pas. Ah, c'était dur. T'aurais pu prendre 2 points parce que vous là, ça, pour cette penche là, ça vaut 2 points le boons. Hein. Allez, Poyos, faut assurer là. C'est mort. Oh non. Oh si si. Dommage. C'est une catastrophique, vraiment. Ils ont vraiment un deck nul comme ça, genre. Il compte pas du coup, non, tu as pas utilisé. Non, non, il l'a pas touché une deuxième fois. Il aurait peut-être touché là à la limite, mais let's go fail. Il dit ça, ils vont le mettre du premier coup, frère. Regarde. Ah non, dommage. Dommage. Attends, Gapled. C'est vraiment le move que plus personne ne traîne, en fait. Genre, oui, en 2017, il y a tous les superstars qui faisaient ça, mais maintenant, plus personne le fait. Notre jeu. Sauf San. Qui sauf en Musty Sidewall. Sauf San, ouais. Voilà. Non, mais c'est terrible. C'est vrai que je traîne encore, mais c'est tout. Ah, mais t'as pas de dash. Oh. Hey, Reshiram, je pense que t'es le mieux placé pour pouvoir revenir, je pense. Là, tu mets 3 points, tu te mets bien. Pour ce move là, ça va être compliqué. Hein. C'est quoi ton Seekers d'ailleurs? J'avoue. C'est pas de Tigresse, un truc comme ça, non? Je sais même pas, je suis avec Mike. C'est de tournoi, je crois. Pourquoi? What? Oh, tu l'as dit. Non, il fait scam. Allez, ok. What? Ok, il passe. What? Il passe. Du coup, là, il y a un moule, on est d'accord. Là, on il prend a un cassé moon. Le jeu, par contre. Hein. Oh, what? Comment c'est possible? Là, on le prend en tant que moon, on est d'accord. Oui. Allez, 2 points, tu passes à 7. La balle. Son reset était en Bluetooth, mais sinon, ça va. Quoi. Alors, maintenant, il reste plus que 3 moves, 3 rounds. Et nous sommes au wall read maintenant. Waouh, wow, c'est super dur. Okay. Wall read, là ça va valoir des points. Ça, c'est je rappelle, 3 points maintenant sans boons, 2 points avec boons. 0. Là, mais ça mérite 5 là. San, s'il met, je pète un câble s'il le met. Ah, c'est pas. Non, il y a moyen encore, il y a moyen. Poco. San, t'as pas le droit. Oh non. Ah, c'est le même mec. J'ai une question, est-ce qu'on a le droit de genre sidewall catch? Non. Bah, non, c'est non, vraiment un sidewall, du coup. C'est un sidewall read. Oh, elle est open. Oh, dommage. Oh, dommage. Dommage. Moi, je me suis étouffé carrément. Oh, le mec. Poyos. Le clutch de Poyos. Poyos fait le mettre une dinguerie là. Je le sens. Quoi? Ouais, c'était super dur. Dommage. Mais j'arrive pas à jouer là, on fait rien. Ça me rappelle le défi que tu m'avais donné quand j'étais en stream. J'allais le dire justement. Ah, c'est beau. On est connecté un peu. Moi j'ai trollé. Sauf que tu l'avais mis à ce moment là. C'est vrai. Et après quand t'as de l'argent en jeu, moi ça va mieux d'un coup. Il avait pas qu'un try aussi. Ah là, il y avait 3 points en jeu quand même, ça devrait suffire. Allez, dommage. Gapled à ton tour. Oui, monsieur. Oh.
Dommage. Putain, c'est cloche, je vous donne des points pour le rattraper, vous voulez pas les prendre. En vrai, si personne la met, on peut refaire un round de ça en vrai, parce que c'est sûr que quelqu'un va le mettre, genre. Hein. Allez, si vous voulez, on en refait un, enfin, round de ça. Ces concepts en général, on change les règles en plein cours. Ouais. Allez, deuxième round. De toute façon, genre de concept, on change les règles à chaque fois. Allez, on fait un deuxième tour. Deuxième tour de Wallride, je veux qu'il y en ait au moins qu'on claque un beau. En vrai, je vais faire un turtle parce que. Et vous faites comme vous voulez, je m'en bats les couilles, je veux juste un Wallride. Mais si personne le met, on fait comment? Bah tant pis, là on passe. C'est le malaise. Hein. Là vous abusez complètement. Hein. Si personne le met, vous abusez. Hein. Non, mais c'est trop dur en vrai. Hein. Fan, t'as pas le droit de le mettre. S'il le met, par contre, c'est catastrophique. Non, mais en plus, il est open. Oh le vieux rebond. T'as fait un vieux bounce, en vrai, dommage. Parce que c'était bien parti. Hein. Mais non. Ah, c'est décollé. Grand pinch, side wall read. Dommage. Bien essayé. Ouais. Non, je vais pas. Ouah, wow, plus haut, non? Genre. Bon, dommage. Ouais, le bounce. Dommage. C'est open pour lui. Ouais, c'est belle, dommage. Ça ne passe pas. Non, j'ai déjà senti le pire. Allez, excellent. Plus de points pour toi. Ouais. Ah. Oh, il est bien là. Pour la pulse clan, il y a du 8. Sauve notre honneur. Ça marche encore. Non, dommage. Reshiram. Dernier espoir, il est pas fameux. Hein. Arrête, finaliste Thrustmaster, allez. Mets-le nous. J'avoue, t'en as pas mis une en plus, je crois. Oh waouh. Plan B. Dommage. Oh. Là, ça rentre à moi. Dommage. Ah là là. Tellement close. Ok, tant pis, personne n'a mis le wall read. Et c'est parti. Vous allez voir, j'ai une idée bien sympa pour les prochains runes qui vont arriver là. Ça va faire mal. Lui, faut que je l'enlève. Bah, il reste plus qu'un move en raid, donc j'ai pas lancé la roue. Il reste le Cuxir Pinch. Oh, jamais je le mets. Oh, mais c'est le pire, frère. Ah, j'adore ça, c'est mon préféré. C'est mon préféré, je pense, c'est d'ailleurs le move que je maîtrise le plus sur les trucs d'aujourd'hui, donc ça tombe bien. Est-ce qu'on peut avoir un rappel des points? San, toujours fait un trêve. 12 points. Nevest, 2 points. Poyos, 2 points. Fleeds, 2 points. Gapled, 4 points. Et Reshiram, 7 points. Sauf que vous allez avoir de quoi rattraper San avec ce qui va arriver. C'est pas le beau jeu. Là, en vrai, San, si on continue comme ça, bon, t'as gagné la vidéo. On va pas se mentir, normalement, t'as gagné la vidéo. Mais là, je vais faire des gros changements dans les points pour qu'il y ait un petit peu de suspense. Le cul sur pinch, là, tout de suite, maintenant, si vous le rentrez no wounds, il vaut 6 points. Waouh. Ah mais non, là, ça va faire mal. C'est pour équilibrer. Il vaut 6 points. Si vous le mettez avec un wounds, il en vaudra 4. Jamais de ma vie, je le mets. Hein. Moi, j'ai déjà fait un try, du coup. Et s'il roule 2 Dommage. Ah, il y a un mandou. Dommage. Poyos, à toi. Non, try. Ouais, c'est open, mais il y a des crossbars qui nous attendent aussi. Hein. Ou des poteaux. Oh oui. Oh non. Dommage. Bien au-dessus. Je vais avoir un petit point bonus. Non, c'est pas dans les trucs là. Oh, je vais jamais y arriver. Oh waouh. Ouais. À l'angle. Oh. Elle aurait été belle. Oh, j'essaie de la capte direct. Y'a pas de c'est un joueur con. Ah non, poteau. Dommage. Oh, jamais vous allez dire. Il y a rien qui rentre. Hein. Après, je le tente. Si je le mets, vous allez avoir un round de plus. Sauf pour San, par contre. Ah, d'accord. Oh, waouh. Allez, vas-y. Dommage. Je peux vous montrer. Vous avez un peu d'aide et tout. Je vous montre. Il n'y a aucun problème. Hein. Fait un tutoriel, hein, vraiment. Je vous fais un petit tuto comment on fait un cut rapide. N'hésitez pas. En plus, bon, il y a un bounce, mais il était quand même parti à son. Avec un bounce, ouais. Ah, c'est quand même. Même ça n'a le droit à rétro. Allez, vous allez avoir un petit tour supplémentaire, c'est cadeau, c'est offert par moi. Hein, je montre aux apprentis, hein, il faut. Non, c'est le seul move que je peux leur apprendre, hein. Enfin, en tout cas, que je peux à peu près mieux maîtriser qu'eux, sinon, là, c'est terminé. Hein. Dommage. Ah. Ok, Nevest. Qui va le mettre. C'est la faute du prof. Moi, je l'ai mis, hein, mais au-dessus. C'est écrit dans notre joke. Mais je sais pas Cuxir, genre vraiment, je fais pas ça. Oh, il y a un petit boon, mais tu prends 4 points quand même. Ça prend 4 points tranquillement quand même. Ah, mais en fait, je sais, il faut aller dans la team orange pour marquer. Nevest, tu passes à 6 points. Ça se met bien là. Okay. Là, Fredek Poes et Fils, vous le mettiez vous aussi parce que comme ça, là, vous prenez des bons points. J'aime ça une fois de ma vie en genre 5 ans. Jack, les moves faciles, j'y arrive pas, alors les moves que je fais jamais. Là, les rapports, t'arrives trop lentement, Poes.
T'arrives franchement, vous t'arrives supersonique sur Abel. Y'a pas longtemps, j'ai enlevé mon tonneau aérien et je faisais des cuxirs avec le tonneau aérien avant. Et là, du coup, je le fais avec tonneau droit et c'est bizarre. Ouais, t'es trop droit, je pense. C'est un braquage. Dans le setting. Moi, je vais pas mentir, je pense avoir bien vu le tuto. Gameplay, je te jure que tu la mets, ça te remet trop bien la game. Allez, louche, s'il te plaît. Elle passe, hein. On avait dit que si elle roulait, c'était combien? Je suis dans, je crois. En vrai, elle passe, hein. Ah, mais c'est Gapol qui l'avait dit en plus, non? Genre, si elle roule, on met 2 points ou un truc comme ça? Ouais, trop bizarre. J'avais dit ça, mais il avait pas confirmé. Je parlais pour le psycho, ça. On lui accorde ou pas? Oui, bah. Il est cadré déjà, c'est déjà une bonne épée. Allez, plus 4. En vrai, s'il était slow, je lui aurais dit non, mais. Ok, 8. What? Elle était con. Oh waouh. What? Là, par contre, il va rentrer, il va rentrer. En vrai, j'ai envie de mettre plus 2 pour le fait qu'il soit cadré. Ah là, ça rentre. C'est dramatique. Let's go. Non, en vrai, on lui. Le meilleur. Très très bien cadré. 16. Qu'est-ce qu'il va mettre? C'est plus dur d'en mettre un cuxir à 16 qu'un mettre un 140, en vrai, je pense. C'est vrai. Non, il a plus 10 points du coup. 10 points pour toi. non, en vrai, ça il compte pas quand même. Faut pas abuser. Ouais. Ok, donc là, petit rappel des scores. C'est quand même beaucoup mieux en termes d'équilibrage. San, 12 points. Nevest, 6 points. Poyos et Flitz, 2 points. Gaplet, 8 points. Et Reshiram, 7 points. Là, ce que je vais proposer, ça va faire mal. On arrive au dernier round. Tout va jouer maintenant. Ça va être le round psycho. Sauf que dans ce round-là, vous allez avoir 3 essais chacun. Waouh. Ça fait beaucoup. 3 essais chacun, sachant que si vous le mettez no boons, c'est 10 points. Si vous le mettez avec un boons ou plus, bah pour chaque boons de plus que vous allez mettre, c'est moins 2 points. Donc un boons, 8, 2, 6, etc. San, c'est ton moment. Bon là, si San le met, par contre, c'est dramatique, mais un no boons, c'est bon. Non, mais je sais pas, hein, je fais plus ça. En vrai, moi non plus. Hein. Bah si, en fait, je suis con. Je l'ai vu rentrer celle-là, mon gars. Premier essai. Oh, le ceiling à côté. Elle est dedans. Ça rentre pas. Ah non, si. Deux boons. Il prend 6 points. Le ceiling compte comme un bonus. Il compte comme un bonus. Non, c'est au sol. En vrai, je pense que si. Dans le freestyle, si tu mets un psycho no bonus et qu'il touche le ceiling, c'est un bonus. On lui enlève 6 points, donc ça, il prend 4 points. Il prend 4 points du coup. Il passe à 16 quand même, c'est déjà quand même pas mal. C'est déjà beaucoup trop. C'est déjà trop trop points déjà. Il a plus de 10 fois mes points. Bah non. Bientôt. Par contre, sans le ceiling, elle est... Elle est cadrée, GG à toi, c'est 10 points sur moi. Nevest, il fait trop peur par contre. Nevest, t'es à 6 points, je te jure, t'en mets un no boons, tu repasses premier. Par contre, Nevest, il met des no boons toute la journée, hein, mais il est cadre jamais. Dites pas ça. 3 essais, frère. C'est le Psycho King. Oh, elle est dedans. Oh là là, c'est tellement pas chiant. 8 points là. Oh. Ah, Nevest le goat. En vrai, Nevest les 10 points, l'intro de la vidéo. Oh, dommage. C'est du no bonus, ça. Mais mec, c'est tellement grave, comment t'as pas de chance? Il en faut un méga propre pour finir à avoir la vidéo. Bah, il arrive maintenant. Non. Eh non, dommage. Ah, dommage. Peut-être catch. Pas de coup pour Nevest, putain, pourtant il était beau. Oh là là. Poyos à ton tour. Mais il faut la ramener, je crois. Si tu le mets, tu peux rentrer dans la pulse dès ce soir. Bon, pas ce soir du coup. Tu veux de rester concentré aussi longtemps en jouant si peu. Et j'ai les mains froides surtout. Ouais, c'est chaud. Ah, ça rentre. Dommage. Troisième essai. Non, j'arrive vraiment pas à jouer ça. Hein. Dommage à Flitz maintenant. C'est un truc que tu maîtrises bien quand même ou pas? Bon, j'en ai mis pas comme tous les freestylers, on a tous mis parce qu'il y a un moment tout le monde c'était la mode, mais en fait personne ne maîtrise vraiment bien quoi. Dommage. Quoi? Oh non, le seum.
Plan B. Ah, ça fout le seum. Le troisième essai. Allez, Flight. Même si Minimum, il a 12 points, quoi, donc bon. Oh non, oh, t'étais tellement mec, je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais manette elle est cassée, je crois, c'est pas normal que ça fasse ça. Après, mais monsieur, chaque fois ma voiture elle part, je sais pas où. Moi aussi elle fait ça, c'est normal. Ah non, moi ça me fait pas ça d'habitude. Un gars, plein à toi, 3 essais. On veut savoir, les gens, que c'est quand même le move le plus dur probablement en freestyle, ou l'un des moves les plus durs qui puisse exister. Donc forcément. Oh, il est bien parti. En fait, il est pas forcément dur, mais c'est dur à régulièrement faire un bon en fait. Mais sauf avec la pression que c'est chaud, genre. Oh. Oh oui. Oh, oh nickel. Oh, ah, c'est ça, c'est au-dessus, c'est l'expert. Bah, la dingue. Non, bon. Deux bonnes. Ouais, mais si elle compte ça, compte deux bonnes. Non, y'en a qu'un, y'en a qu'un. Non, en vrai, celui-là, on le compte pas comme un bonus en règle générale quand on fait un psycho gap. Non, ça c'est un bonus, hein. En vrai, c'est un bonus, les frères là. Ah ouais. Wouah, la dingue. Propre. C'est ton deuxième en plus, non? Try. Oui, deuxième essai. Et même ton premier était bon, genre là t'as eu deux setups qui étaient vraiment bons, donc même le premier il était que... Putain, mais du coup, plus, non, plus, que... plus 8, du coup ouais, tu viens avec San, tu passes à 16. Oh le bâtard. Le clutch. Aïe. Vas-y, en mettre un. En dessous de 5 bounce, c'est oui, non? Oh. Non. Oh, t'as une régularité des setups, par contre c'est dingue. Attends, Shiram, du coup Shiram qui est... t'es bien, hein, t'es à 7 points aussi, hein. Là t'en mets un, tu... Ah ouais, mais tu te mets bien. No bounce égale, égale win, hein. Ah, y'a un deuxième win, hein. Il fait un deuxième Ah oui. En fait, faut faire ce concept l'été, oh, dommage. Genre, parce que là il fait trop froid. Mais oui. tu vis dans un igloo, quoi, mon ref. Ah non, mais il a raison, hein. Ça, c'est... Non mais moi j'arrive plus à jouer là, j'arrive plus à tenir ma manette, hein. Ouais, le chauffage, j'ai 20. Mais t'es chez toi et t'as froid. Bah, moi aussi, ouais. Chez moi j'ai froid, frère. C'est même pas question d'avoir froid, c'est de pas être chaud en fait. Faut appeler Def. Il y a, hein. y a la chaleur in-game, tu vois. Chaleur in-game. Non, physique chimie, gros. La chaleur, il y a la chaleur corporelle. La chaleur in-game maintenant, c'est un nouveau type d'élément. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est vrai. Oh, hein, peut-être. Ah, joueurs expérimentés me comprendront. Ah, dommage. Oh, ah, c'est dommage. Tout dernier round de la vidéo, pareil, même principe, 10 points, chaque boon c'est moins 2 points. Et je pense que tout va jouer maintenant, tout le monde peut, n'importe qui peut gagner, sauf Poyos et Flitch, je pense. Non, si, on peut. Si, vous êtes 3 essais en tout cas, tout le monde peut gagner. Tout le monde peut gagner. Ah, il y a un deuxième round de Psycho. Ouais, oui. Ah, ok. Oh mon dieu, il est bon. Oh là là, le plus jeu. C'est tellement close. J'étais constant de touch, ça aurait été bien. Mais non. Ça m'étonne de voir quelqu'un prendre ses touches en double cam depuis longtemps. Très compliqué d'être précis. Oh non, c'est plus ces lignes. Yes. Ça va être un peu compliqué là quand même. En fait, ça m'arrange pour le suspense qu'il en mette pas. Oui, c'est vrai. Ouais, toi ça t'arrange pas, je sais, mais les autres ça t'arrange. Depuis tout à l'heure, il est contre toi, hein. Je dis ça, j'ai rien, mais. Rate-toi, San, s'il te plaît. Il va la mettre là. Là, il va mettre un bon bout de frère. Un setup de fou. Oh, dommage. C'est la touch, hein, qui manque, c'est incroyable. C'est vraiment ça en fait. Là tu la frôles, c'est no bounce. Hein. Neves, c'est ton moment, c'est ton dernier moment pour briller là. Putain, mais du coup j'aurais la pression pendant... Oh non. Là c'est la pression. Tout le monde, ouais. Mmh. Ah dommage. Dommage, premier essai. Non, je suis un troller. Ah, il est à 6, il est à 6 points là. Allez, le dernier, si tu le mets celui-là, tu peux revenir dans la course. Mais pas. C'est habituel, hein, allez. Oh, il s'est fait arnaquer. Elle a touché ? Non, c'est dommage. Ah, elle a pas touché, pas dommage. Poyos, à ton tour. Allez, c'est parti, c'était 3 dernières essais. Poyos, tu es à 2 points, tu peux gagner là si tu fais des choses intéressantes. 2 Psycho No Bounce, let's go. 2-1 bounce, ça suffit. Oh, dommage. Même si t'en fais 2 moyens, tu passes. Hein. Oh, ça pue ça. Non, oh, t'es bien. Oh. Non, elle a touché le ceiling. Et tu sais quoi, je vais tenter ce que t'as dit, Gapple, on sait jamais. Ground Pinch Psycho. Hein. Ah oui, d'ailleurs. Ground Pinch, oui. Là, c'est. Oh, dommage. Eh bah dommage, Flitz à toi. Flitz, pareil, t'es à 2 points. Mmh.
Wow, wow. Mais quoi? Mais par contre. Attends, mais c'est pas un musty ça. Bon, t'es une catapulte là. Oui. Oh là là, c'était close. Dernier essai. Ah non. Ah, trop près, dommage. Dommage pour Flitz, ça s'arrête ici également. Gapled. Alors là, Gapled, Sal est à 16, tu es à 16 aussi. Donc. Mais il y a encore des moves après. Non, c'est terminé. Ah, du coup, imaginons qu'il en mette pas. Genre. Donc là, si tu ne mets pas, on va faire un run, on fera une finale pour vous, entre vous deux. Oh. Mais prépare-toi, parce qu'il a pas l'air de vouloir rater. Il risque de le mettre. Il a pas l'air de vouloir rater. Hein. Bon, le premier n'est pas dedans, je pense. Non, il est pas dedans. Il a pas l'air de vouloir rater parce que là il a des bons setups. Ça fait donc 4 rounds d'affilée que tu mets 4 bons setups. Hein, donc je pense que t'es le plus régulier hein, là actuellement. Oh la scam! Et le dernier, tout va jouer là-dessus. Si tu le mets, tu gagnes la vidéo. Ouh, la sauce. Peut-être moyen hein. Oh, et non. Ok, on va faire un truc. Attends, mais y'a Richard. Ah oui, y'a Richard, pardon, j'avais oublié, my bad, désolé. My bad. Et là, il en met 2 en bas. Bah, en vrai, il a 7, hein, Richard, là, il en met 1, il gagne la vidéo. Il en met juste 1 en bas, il gagne la vidéo, hein, j'avais oublié, j'avais complètement zappé. Oh. Ok, dommage, premier essai. Wow. Oh. Ok, dernier essai maintenant. Il y a 23ème round. Non, 26. Gratte pas. Toujours dans la vue. On peut faire ça jusqu'à 22h. On est pas. Elle le met et là c'est terminé. Dommage. Bon, San et Gaplet, vous êtes tous les deux à 16 points. Donc ça va jouer entre vous deux. À partir de maintenant, vous allez faire un psycho chacun votre tour. Le premier qui le rentre gagne la vidéo. On accepte. Un bounce maximum. Ou deux. Un ou deux bounce. Un seul maximum. Je pense un seul. Y'a pas question de points là. On va faire un final sur un shot qui va être deux bounce. Donc le premier de vous deux qui met un psycho. Tu veux commencer, Cap? Non, ça ne veux pas. Non, mais commence, mais de toute façon, si c'est toi qui le mets, je pense que j'ai un try après encore. Oui, bah oui. Oui, c'est. Y'en a un qui te met l'autre si tu le mets pas. Bah non, c'est par round. Genre en mode San, tu le mets et si. Mais tu le mets, mais si tu. Si Gapel le. Oh bref, je comprends. Le mets pas, ouais. Ah oui. Ah bah, oui, bah. Voilà. Là, si Gapel le met, il a gagné la vidéo. Si tu l'avais mis en gros, j'ai gagné. Voilà. Mais si toi tu l'avais mis, moi j'avais un try. Ah oui, d'accord, ça joue en. J'ai capté. C'est en gros dans la manche, si vous le mettez pas tous les deux, il y en a qu'un des deux qui le met, il a gagné. Lui qui passe en deuxième. Allez, Gapel. Oh putain. C'est Brancal un peu là. Ça peut durer longtemps quand même. Ça va être là. Ouais. Bon, après, vous avez des bons setups comme depuis tout à l'heure. Donc je pense que ça va pas trop tarder non plus. Oh non, merde. En vrai, pour faciliter le truc, Sniper, si tu veux qu'il y ait plus de chances qu'il le mette, autant qu'il fasse 2 tries chacun, genre. Parce qu'en fait, la mémoire musculaire, ça, tu peux te réajuster si tu fais 2 fois d'affilée, alors que faire un seul... Ouais, ouais, vas-y, ok, vas-y, 2 tries chacun, 2 tries chacun. Bah là, il en fait un Gapled, et après, il commence à 2 tries. Ouais. Ah, bon. Bonne idée. On se trouve Gapled, il le met maintenant, Ouais, ouais, il a pas besoin de ça, et... Allez, 2 tries chacun. Mais si, il y en a un, il en met 2. Oh, bah, tant mieux, hein. Oh, il est beau. Oh, dommage. Aïe, close. Ah oui, c'est vrai, Oh, le mec, il était tellement close, je t'ai vu transpercer la balle. Ouais, ils sont tendus, là. Parce que là, il coûte cher, le psycho. Où t'as pris Oh, bien joué. Les gars, Plot qui gagne la vidéo. Ah, bien joué. Eh bah GG. Oh, tu gagnes toutes mes vidéos mec, c'est incroyable, Gapled, tu gagnes à chaque fois, peu importe le contexte. Ça ne méritait clairement. Ah GG, oui mec, évidemment. T'as géo sur la fin. Sur le papier, ça n'a gagné avec les points, après j'ai augmenté les points pour équilibrer, mais voilà. Techniquement, ça n'a gagné, mais au final,
Gapplud a su clutch avec le... Il s'est toujours bien entourloupé avec les points et tout, Gapplud, d'arriver à passer devant. GG les gars, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir participé, c'était bien cool en tout cas, il y avait du beau jeu. Même si évidemment le fait d'avoir être en vidéo, d'avoir un essai et tout, ça met une pression qui fait que vous ratez beaucoup plus que d'habitude. C'était quand même du beau jeu. Donc merci d'avoir participé les gars, j'espère que ça vous a plu, si le concept était cool. Est-ce que vous voulez que je vous réinvite pour la prochaine fois? Allez, on fera ça, on se refera une édition, une nouvelle où je ferai les changements, je trouverai toujours un truc à faire dans tous les cas. Ça vous a plu les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, vous avez pour aller les voir, alors il y en a qui stream pas parmi vous, genre Neves, Recham Touch, je les ai jamais vus, si. C'est juste stream. Non, moi si. Je stream pas. Moi non. Non, bah y'a Recham qui stream, bon après Poyos, Fleez et Gapet, vous les connaissez un petit peu plus déjà. Non, c'est Neves qui stream. Bon, c'est Neves qui stream, alors Neves qui stream et Fleez, Gapet et Poyos, vous les connaissez déjà un petit peu mieux. Bah merci les gars, et puis bon, on se retrouve pour une prochaine fois, nous, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao tout le monde.